Bonsoir, bonsoir. Bon, je suis sur 5 tubes, pas 6 là cette fois-ci. Je teste une petite configuration spécifique. Hein. Faut voir le bordel qui est en dessous. Le nouveau transfo, vite fait. Voilà, je pilote avec un L298N, ici présentement, qui est lui-même alimenté par un transfo basique. Hein. Et mon petit tableau de contrôle dont l'oscillo est mort, donc enfin est mort. J'ai préféré le débrancher parce qu'il pose quelques soucis. Et voilà, donc je consomme ça pour l'instant. Je devrais être à 25 par rapport aux vidéos précédentes, hein, à peu près 25 watts là, en dessous au milieu de 22. Voilà le signal de sortie, c'est pris sur les gaines du fil et pas sur les fils directement parce que là j'explose tout, je pense. Et ça, c'est le signal d'entrée qui sort du LN, du L298N. Voilà, et ça donne ça. Ça donne ça. Le transfo marche très très bien, ça fait bien 3 quarts d'heure que je tourne comme ça. Pas de souci, l'eau ne se colore pas. Dalle à suivre, pas dire que. Alors, ce qui est marrant, c'est que si j'approche la main comme ça, hein, je vais toucher comme ça là tout de suite. Alors, j'enlève ma main. Là, on est à 20 quoi, 22,80 en pic à pic. J'approche ma main, hop, ça descend. Ça fait un peu comme une antenne Tesla, ça modifie un peu le signal. C'est marrant. Il y a peut-être quelque chose à exploiter là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent mettre des commentaires, n'hésitez pas. Mais j'aime bien les commentaires constructifs, hein, parce que ceux qui font des commentaires ou des pouces en bas pour sans ne rien dire, merci, mais bon, je trouve ça un peu désobligeant pour le travail que j'accomplis. Voilà. En tout cas, moi, je suis content. Bougez bien.